Comment transformer des poupées LOL cassées en sirènes? Regarde notre nouvelle vidéo pour le savoir. Cette fois-ci, une seule d'entre nous aura le titre de plus belle sirène de l'océan. Hey! Sans aucun doute, ce sera moi, la méchante sirène. Pas question, dans tes rêves, ce sera moi, la bonne sirène. On va transformer une vieille poupée LOL en petite sirène. Une sirène n'a pas besoin de jambes. On va plutôt faire une belle queue. Fais une queue en pâte à modeler. Roule la pâte en une fine bande. Fais une ceinture. Couvre la ceinture avec de la peinture acrylique. Et peins aussi la queue de la sirène. Complète le tout avec du vernis à ongles transparent. Couvre-le de paillettes sèches. Prends des paillettes de couleur assortie. Décore la queue d'un côté. Ajoute des mini-strass. Utilise des paillettes en forme de cœur pour faire un haut. Relie les deux cœurs à l'aide d'une fine ligne de vernis acrylique. Décore le cou avec un strass étincelant. Colle un strass au-dessus d'une paupière. Dessine un bracelet sur le poignet. Applique du vernis à ongles transparent sur l'épaule. Ajoute des paillettes. Petite sirène, t'es tellement brillante et étincelante! Je veux de belles boucles d'oreilles! Tiens! Prends une étoile scintillante. Applique de la colle chaude sur une pince à cheveux. Fixe l'étoile. C'est une pince à cheveux parfaite pour une petite sirène. Fabriquons une nageoire étincelante en pâte. La petite sirène brille comme un trésor sous-marin. Y'a rien de mieux que de nager dans une eau chaude et étincelante. Et j'adore les chasses au trésor au fond de l'océan. Utilise un poudrier vide. Retire le miroir. Découpe le plastique supplémentaire. Utilise un dissolvant pour vernis à ongles pour nettoyer la peinture de la surface. Choisis des décorations. Fixe une étoile de mer en plastique à l'arrière du compact. Couvre le fond de l'étoile de mer avec du vernis à ongles transparent. Saupoudre le tout de paillettes. Colle des perles. C'est un miroir parfait pour une petite sirène. Décore le cadre du miroir avec des coquillages, des étoiles de mer, des galets et des perles. Notre bébé sirène va adorer ce miroir. Prends la moitié d'une boîte LOL ronde. Transforme-la en pied de miroir. Décore-le avec des paillettes de différentes tailles. Ajoute des galets. Applique de la colle sur les bords des coquillages et saupoudre-les de paillettes. Ajoute des coquillages comme étagère au fond du miroir. Voilà, une superbe coiffeuse pour une princesse des mers. Mets les accessoires de coiffure sur les étagères et ajoute une bouteille de parfum. Je suis toujours belle quand je me regarde dans ce miroir. Je vais mettre du parfum. On va transformer un corail jouet en organisateur de bijoux. Il faut un support solide. Applique de la lotion sur une surface vitrée plane. Ajoute de la colle chaude. Fixe le corail en plastique. Laisse sécher. La base de corail est prête. Couvre-la avec de la peinture acrylique blanche. Complète le tout avec du vernis à ongles transparent. Saupoudre le tout de paillettes bleues. Décore le fond avec des paillettes bleues de plus grande taille. Ajoute des paillettes argentées. Le corail n'a jamais été aussi brillant. Ajoutons ce beau porte-bijoux au miroir. Ce fil flexible est de la bonne couleur. Découpe un morceau. Applique de la colle chaude sur une surface vitrée plane. Fixe les bouts du fil. Décore-le avec une perle. Applique du vernis à ongles transparent sur la colle. Saupoudre le tout de paillettes de différentes tailles. On a fait un porte-vêtements. Ajoute des petits cintres faits de trombones. Les cintres glissent vers le bas. Des perles vont résoudre ce problème. Décore la partie supérieure des cintres avec des perles. Tous les vêtements sont maintenant à la même place. J'adore ce présentoir à vêtements. Maintenant, c'est tellement facile de choisir ce qu'on va porter. On a toute une collection de coquillages et de galets. Prends des galets ronds de différentes tailles. Applique de la colle chaude sur l'extérieur. Colle une perle. Ajoute un coquillage plus grand. Ajoute des snacks pour la sirène. Mets un verre à côté. Verse un peu de jus.
Sers-toi la petite. Miam! Un verre de jus et un croissant, servi dans des assiettes à thème maritime et mon petit-déj préféré. Prends un distributeur jouet de bonbons. Retire le haut. Remplis-le de Orbeez de différentes couleurs. Fixe la balle en plastique à son support. Tire sur la poignée et tu auras des bons becs. Ces bonbons ronds sont mes préférés. Maintenant, j'ai ce distributeur de bonbons incroyable. Je l'adore. Transformons cette vieille poupée LOL cassée en une sirène maléfique. Enlève le surplus de peinture. Couvre les jambes avec de la colle chaude. Répands ça uniformément. Pose la poupée sur une surface vitrée plane. Fais une queue avec de la colle chaude. Et fais une nageoire. Maintenant, la colle est sèche. Relie la nageoire et la queue. Lisse la surface. Décore la queue. Fais une ceinture avec de plus grosses paillettes. Applique de la colle chaude sur la poitrine de la poupée. Couvre-la de paillettes. Applique des paillettes sur toute la surface de la queue. Décore les bords de la nageoire avec des strass. Dessine des sourcils bleu foncé. Remplis le trou dans la tête de la poupée avec de la colle chaude. Prends un ruban de satin bleu. Fais des mèches de cheveux. Ajoute quelques couches de cheveux. Couvre le front. Sépare les cheveux. Je veux la coiffure la plus branchée. T'es entre les mains d'un professionnel. On va donner une coiffure asymétrique à cette sirène. Et voilà, c'est fait. Ma nouvelle coiffure est trop cool. C'est génial d'être de retour sous la mer. Peignons les lèvres. Maintenant, je suis prête à gouverner toutes les mers et tous les océans. Il n'y a personne de plus cool que moi au fond de l'océan. Un conseil magique ne fera pas de mal. Regardons dans mon miroir magique. Quoi? Il y a une sirène qui est aussi belle que moi? Pas question! Je ne la laisserai pas rivaliser avec moi. Choisis quelques décorations. Prends des anneaux de seau et des coquillages décoratifs. Colle les coquilles sur les anneaux. Couvre-les avec du vernis à ongles noir. Ces boucles d'oreilles sombres sont parfaites pour une sirène méchante. Elles font vraiment sortir mes yeux. Prends un anneau de bouteille en plastique. Ces coquillages décoratifs s'adaptent parfaitement. Colle un coquillage sur la partie centrale de l'anneau. Ajoute les coquillages sur les côtés. Décore ça avec des paillettes de différentes tailles. Colle un strass au centre d'une paillette. Décore la partie centrale de la couronne avec un coquillage doré. Ajoute des strass au-dessus des coquillages. Le résultat est une couronne pour une reine sous-marine. Cette couronne m'aidera à dominer toutes les mers. Elle a été faite juste pour moi. Prends des coquillages plus petits. Applique du vernis à ongles transparent. Couvre de paillettes. Couvre les coquillages avec du vernis à ongles pailleté. Décore la poignée avec des strass de différentes tailles. Ma brosse à cheveux scintille comme un trésor caché. Je vais la mettre près du miroir. Prends une balle en plastique transparent et transforme un capuchon de lotion en table. Utilise un tissu à paillettes comme nappe. Applique de la colle chaude sur les côtés d'un capuchon de lotion. Fixe le tissu. Coupe-le. Utilise des coques en plastique pour faire des pieds de table. Décore les bords d'une nappe avec un ruban pailleté. Verse des paillettes de différentes tailles dans la boule. Colle la balle au centre de la table. Décore avec des coquillages. Boule magique, montre-moi mon avenir! Dis-moi ce qui va se passer! Ne me cache aucun secret! On va faire un sac à main pour notre sirène. Applique de la colle chaude sur une coquille décorative. Colle un deuxième coquillage. Coupe un morceau de chaînette. Fixe-le sur les côtés des coquillages. Relie les bords. Décore le sac à main avec des paillettes. Utilise des paillettes pour faire des écailles. C'est mon sac à main préféré! Il y a tout juste assez de place pour mes objets magiques. Si je décide de transformer quelqu'un en escargot, j'aurai tous les bons ingrédients. Nos accessoires nous aident à nous exprimer. Et notre monde sous-marin a un équilibre parfait entre le bien et le mal. Laquelle de ces sirènes tu préfères? Une bonne sirène princesse ou une méchante sirène sorcière? Commente ci-dessous.
donne un like à la vidéo, abonne-toi à Lalilou et clique sur la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo.